Un, deux, oh, power! OK, c'est pas moi. On a très peu de temps et j'ai beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'il y a des gens ici qui voudraient recevoir de Dieu pendant ce week-end? J'ai entendu un oui, j'ai vu quelques mains levées. Je vais répéter la question parce que je pense que vous êtes encore endormi de votre semaine. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent recevoir quelque chose de Dieu pendant ce week-end? Amen. Je vois les gens derrière. Alors, peut-être c'est les gens en avant qui sont plus réveillés. Merci pour les gens en arrière. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On va le faire avant chaque début de prédication. Pas parce que je suis dans le mysticisme ou l'ésotérisme. Personne n'est blessé. Parce que je sais que vous venez d'une semaine et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pendant votre semaine. Et je ne sais pas par quoi vous passez en ce moment. Mais ce que je nous souhaite pendant ce week-end, c'est de ne pas retourner de là où on vient de la même manière. Amen. On veut être béni et on veut être transformé. Et je fais partie du nombre. Donc, juste pour nous concentrer sur la présence de Dieu. En priant, j'ai juste demandé de faire ce geste, les mains ouvertes, pour le Seigneur, pour lui dire, Seigneur, je suis prêt à recevoir de toi. Pas de David Saint-Martin, pas de l'équipe de louanges, pas des moniteurs, mais de toi, Seigneur Jésus. Et ceux qui sont d'accord et qui veulent recevoir, je vous invite à faire le geste et je vais prier. Seigneur Dieu, c'est de toi qu'on dépend. Et si on est là ce soir, c'est uniquement à cause de toi. Nous refusons de partir de ce lieu sans être bénis. Nous refusons de partir de ce lieu sans avoir entendu quelque chose de toi qui va venir transformer nos vies. Que chaque jeune, chaque adulte, que chaque personne qui se retrouve dans ce lieu puisse entendre ta voix pendant ce week-end, Seigneur. En ton nom puissant, Seigneur Jésus, je demande toutes ces choses. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, je sais qu'il y en a peu qui me connaissent, et en fait, ça n'a pas d'importance que vous me connaissiez. C'est le Seigneur Jésus qu'on est venu rencontrer pendant ce week-end. Mais je vais vous dire quand même, mon nom est David Saint-Martin. J'aime Jésus maintenant depuis 30 ans, par la grâce de Dieu. Et là, ceux qui sont forts en maths, ils vont comprendre. Et je suis venu au Seigneur, où le Seigneur m'a attiré à lui quand j'avais 15 ans. Et j'entends des calculs, j'ai entendu 55, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Go back to school. Non, OK. J'avais prévu aller au centre-ville de Montréal avec un ami. Je ne sais pas comment, mais le Seigneur m'a dirigé à l'église. Demande-moi pas comment. Et à l'église, j'étais avec mon groupe de jeunes que je connaissais peu. Et pendant la réunion, on m'a simplement challengé, en fait, on a challengé tout le monde à simplement défier la présence de Dieu. Et je l'ai fait. Mais je voulais être sincère dans ma demande. Donc j'ai dit, Seigneur, si tu existes, faites quoi? C'est mon témoignage. Et le Seigneur
en un instant, m'a montré tout mon casier judiciaire spirituel. Toutes les conneries que j'avais faites en 15 ans. Il y en a qui pourraient dire c'est peu, mais c'était assez. Il m'a dit, pour tout ça, je suis mort pour toi à la croix. Et je me suis mis à pleurer. Parce que je venais de comprendre que tout l'évangile que j'écoutais depuis des années parce que je fréquentais l'église, parce que j'allais à l'église, parce que ma mère me disait d'aller à l'église, etc. It was real. C'était vrai. Puis le Seigneur avait souffert pour moi, pour que je puisse avoir la vie. Donc ce soir-là, j'ai fait une promesse à Dieu. Je ne perdrai pas une autre minute. Parce que dans ma tête, j'avais perdu 15 ans de ma vie sans Dieu. Et j'ai dit non moins, jamais plus. Et depuis ce temps-là, ma vie est consacrée à Dieu. Est-ce que j'ai fait d'autres conneries entre 15 ans et maintenant? Oui. Mais je me rappelle toujours du moment où il est venu me chercher. Et je dis, si je suis conscient, je retournerai à toi. Parce que tu vaux la peine d'être connu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et le lui, c'est qui? C'est Dieu. Impossible. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de... Impossible. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Je vais vous dire quelque chose déjà. Ce n'est même pas notre texte pour le week-end, mais je commence avec ça. Tu t'es déjà approché de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que tu es au camp en ce moment. Et ce lieu a été bâti. Il a été consacré au nom du Seigneur. Pour que tous ceux qui y passent, ados, jeunes adultes, familles, peu importe qui, puissent se rapprocher de Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Mais je vais vous dire tout de suite, ce n'est pas assez. Parce que les démons croient aussi. Non seulement il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, mais il doit croire que Dieu récompense ceux qui se tournent vers lui. Pour se tourner vers Dieu, tu dois te détourner de toi-même. Est-ce que vous me suivez? Parce que pour l'instant, tu penses que tu prends les meilleures décisions, que tu es le boss, le chef de ta vie. Mais tant que tu fais ça, tu te tournes vers toi et pas vers Dieu. Donc il doit croire que Dieu existe. Et il doit croire que Dieu récompense ceux qui se tournent vers lui. Si tu ne fais pas ce 180 degrés pour courir vers Dieu, tu n'as pas la foi. Et vous savez comment on appelle ce mouvement de 180 degrés? La repentance. Savoir que ta décision n'est pas la meilleure décision. Au contraire, c'est la pire décision que tu peux prendre. Quand tes actions, tes décisions et tes pensées sont orientées vers Dieu, c'est là que ça commence. La foi. Croire qu'il existe. Et croire qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. La question que je te posais pendant tout le week-end, et c'est notre thème de ce week-end, est-ce que Jésus voit ta foi? Est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Ou quand il te regarde, son regard passe au travers parce qu'il n'y a rien à regarder? Est-ce qu'il voit une petite foi? Une confiance qui commence et qui commence à s'établir dans ta vie? Est-ce qu'il voit une grande foi qui a déjà tout déposé à ses pieds pour continuer à marcher en lui? Si tu penses
Je ne sais pas comment ils sont les autres, parce que je ne suis jamais venu, et moi, je n'étais pas le conférencier principal. Je ne suis jamais venu. Un jour, je vais peut-être le faire, je vais m'asseoir en arrière, puis je vais regarder. Mais si tu penses que tu vas rester assis là pendant tout le week-end et que je ne vais pas te demander d'interagir, tu te trompes. Demande à ton voisin qui est à côté de toi, est-ce que Jésus voit ta foi? Vas-y. Oh non, 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 non. Avec conviction, demande à la personne à côté de toi. OK, je vais prendre un exemple. Mon frère, lève-toi, viens, viens, viens. Regarde-le dans les yeux. Tu vois, il n'est pas intimidé, c'est good. Hé, hey, focus, focus. Est-ce que Jésus voit ta foi? Vas-y, fais-le pour moi aussi. Mais j'ai pas répondu. Non, c'est pas grave. Okay. Redonne-moi la question. Est-ce que Jésus voit ta foi? OK, good. Est-ce que vous pouvez faire le même exercice? Deux fois, à gauche et à droite. C'est trop long, c'est trop long. Stop, stop, c'est trop long. C'est deux fois, that's it. Alors le texte qu'on va regarder ce week-end, on va le regarder pendant tout le week-end. Et on va regarder quatre points de vue par rapport au même texte. Mais la question va demeurer, est-ce que Jésus voit ta foi? Parce qu'on va voir trois exemples de foi dans le texte qui représentent toutes les fois qui sont ici. Peu importe, et vous allez vous en rendre compte. Le texte se retrouve dans Marc. L'évangile de Marc, chapitre 2. Mais je dois donner un petit contexte et c'est mon défi pour ce soir. Je donne le contexte de Marc et je donne le contexte de Marc chapitre 2, 1 à 12, qui est notre texte pour ce week-end. Et comme j'ai peu de temps, parce que j'ai un timer sur ma montre, je vais aller relativement rapidement, mais assez pour qu'on puisse continuer. Vous êtes là? Marc n'est pas un disciple, mais c'est un évangéliste. On voit Marc dans Actes des Apôtres, un petit peu. Il y a même, à cause de lui, il y a eu un bif entre Paul et Barnabas. Mais une des caractéristiques de Marc, c'est que c'était le secrétaire de Pierre. Le Pierre coupeur d'oreilles là, ce Pierre-là. Le Pierre qui est le seul qui lui aussi a marché sur l'eau comme Jésus, parce que les 11 autres étaient trop peureux pour essayer. Ce Pierre-là. Et donc, quand Marc écrit, vous pouvez comprendre que sa source principale de l'Évangile, c'est Pierre. Et Marc a un focus particulier pendant son Évangile. Quand on regarde Matthieu, Marc, Luc et Jean, on pense que c'est la même histoire et plusieurs des récits reviennent, mais chacun des évangélistes a un focus particulier. Évidemment, c'est Jésus, mais avec un angle particulier. L'angle de Marc est celui-ci. Je veux démontrer à ceux qui lisent cet évangile, par la puissance et les actions et les œuvres de Jésus, qu'il est Dieu. Donc, il y a plein de miracles dans Marc. Juste pour montrer au fur et à mesure que Dieu se révèle à nous, qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Fils de l'homme, c'est lui le Christ. Et c'est lui Dieu. Le texte qu'on va regarder, c'est un des miracles de Jésus. Mais je vais vous donner le contexte, parce que Marc 2, versets 1 à 12, commence avec quatre mots qui dit « quelques jours plus tard ». Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les quelques jours avant? Un résumé de 6. Quand on regarde Marc 1, et je ne demande pas d'aller là, mais Marc 1, à partir du verset 21, je vous fais le résumé. Est-ce que tout le monde est prêt? Il y a 6 choses qui vont sortir d'un résumé. Premièrement, Marc 1, 21 à 28 nous raconte que Jésus rentre dans la synagogue et enseigne. Son enseignement est tellement fire, pas de feu là, fire, que les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. On n'a jamais entendu un gars prêcher comme ça. Je ne sais pas comment étaient les autres prédicateurs avant, mais ils devaient être whack. Parce que Jésus était fire.
Jésus est tellement fire que pendant son enseignement, il y a quelqu'un qui est possédé dans la synagogue qui dit, « Jésus, je sais qui tu es. T'es venu pour nous troubler. Je sais qui tu es, t'es le fils de... » Et avant qu'il ait le temps de parler, Jésus sort. Et le démon sort avec violence de l'homme qui était possédé. Là, les gens sont comme, « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Non seulement son enseignement est fire, mais en plus, il a l'autorité de juste parler au démon et le démon sort. Ça, c'est le début de Marc. Marc commence son livre comme ça. Il commence déjà à manifester les miracles. Maintenant, Marc 1, 29 à 31, c'est la même journée. Il rentre, Jésus rentre chez Pierre et André qu'il vient de recruter. Et il leur parle de la belle-mère de Pierre qui a une forte fièvre. Je ne sais pas à quel point elle était sauvage, cette fièvre-là, mais apparemment, ça devait être assez grave. Jésus la touche, la guérit, et elle se lève tout de suite et commence à les servir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la rumeur est partie dans tout Capernaum, la ville où il se trouvait à ce moment-là. La rumeur part qui fait que, troisième point, le soir même après le coucher du soleil, Marc 1, 31, 32 à 34, toute la ville amène à Jésus deux catégories de personnes, ceux qui sont malades et ceux qui sont possédés. Les deux affaires qui sont arrivées juste avant, c'est comme, oh, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est comme un maxi quand il y a un rabais là, où il y a quelque chose qui se passe, c'est comme, il y a comme une vente de feu qui se passe, j'ai entendu qu'il y a un démon qui est sorti ce matin, j'ai entendu cet après-midi que la belle-mère de Pierre était guérie, hey, toi, je sais que tu as un problème dans ta vie, viens, toi, je sais que tu es malade, viens, on s'en va chez André et Pierre, parce que c'est là que ça se passe. Et pendant toute la soirée, Jésus guérit et chasse les démons. Quatrième point. Apparemment, ça c'est mon interprétation, mais apparemment la soirée était tellement sauvage qu'ils décident de quitter la ville parce que c'est trop chaud pour eux. Okay? Ils quittent la ville et ils disent, il faut qu'on aille dans d'autres villages et d'autres villes pour annoncer l'évangile, ce qui est normal. Et donc, ils quittent, ils vont dans d'autres villages. Et pendant qu'ils sont dans les autres villages, ils chassent des démons et ils guérissent des malades. Et Jésus continue à prêcher la bonne nouvelle. Pendant qu'ils sont sur place, il y a un lépreux qui vient à la rencontre de Jésus. Et je vous donne juste un contexte très rapide pour le lépreux. Donc, le lépreux est non seulement malade, il y a une peur par rapport à la contagion de la maladie, mais au niveau spirituel, quand tu touchais un lépreux, tu devenais, merci pour les théologiens de la salle, ceux qui touchaient un lépreux devenaient impurs. Si un lépreux te tombait dessus, tu devenais impur. Mais le lépreux s'approche de Jésus. Vous savez que les lépreux devaient crier impur, impur partout où ils allaient? Juste pour avertir les gens qui s'en viennent, pour être sûr qu'ils ne soient pas contaminés par leur présence, non seulement physique, mais spirituellement aussi. Donc, le lépreux s'approche de Jésus, mais il ne touche pas. Et il dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Vous savez, c'est quoi la première chose que Jésus fait? Il le touche. Et normalement, si quelqu'un touche un lépreux, il devient impur. Mais là, on parle de Jésus. Jésus le touche, et devient pas impur, c'est lui qui devient pur. Et il lui dit, je le veux, sois pur. Il y a déjà une leçon spirituelle là-dedans. L'impur qui contaminait les autres au contact de Jésus, c'est lui qui est transformé. Tu ne peux pas influencer Dieu dans qui il est. C'est toi qui dois être influencé par qui lui est. Ne te trompe jamais là-dessus. Et donc le lépreux est touché par le Seigneur. Je le veux, sois pur. Et là, Jésus fait quelque chose de bizarre. Vous lirez Marc, si vous voulez, ce soir. Il fait quelque chose de bizarre, il lui dit, lève-toi, mon ami. Là, je t'ai guéri de ta léprosité, là, je ne sais pas trop quoi, la maladie, la lèpre, là, c'est fini, cette affaire-là. Pas un mot. Tu dis ça à personne. Tu restes là,
Tu dis ça, je paraphrase, vous comprenez, vous lirez le texte ce soir. Pas un mot. Regardez le move qui se passe. Dès que Jésus s'est retourné, il est parti. Regardez ce que Jésus a fait pour moi. Il m'a guéri. C'est lui, là. Ce Jésus-là, le gars là-bas, là. Avec les lèvres. C'est lui. Le disciple là-bas. Au point où Jésus et ses disciples ne peuvent plus aller dans aucun village, aucune ville, parce que Jésus est rendu Taylor Swift. Partout où il va, Vous savez que ces vedettes-là ne peuvent pas aller magasiner. Taylor Swift ne peut pas aller juste au Maxi, juste de même, puis aller chercher des macarons, là. Impossible. Impossible. Trop populaire. Jésus peut aller nulle part. Parce que partout où il va, tout le monde vient vers lui. Jésus est obligé d'aller dans le désert. C'était mon sixième. Il est obligé d'aller dans le désert. Et du désert, tout le monde vient à lui pour réclamer enseignement, guérison, chasseur de démons. Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Et là, Marc 2, 1 à 12, commence. Quelques jours plus tard, Marc 2, 1 à 12. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. Il retourne après tout ce séjour à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et là je suis spécifique, celle de André et Pierre. Il est de retour. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. On lui amena un paralysé porté par quatre hommes, mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture, firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, je répète, lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait là, assis là, quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qui se faisaient en eux-mêmes et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire au paralysé, « Tes péchés se sont pardonnés » ou dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Ce soir, je vais vous parler de la foule. Demain matin, je vais vous parler des quatre hommes. Demain après-midi, demain soir, je vais vous parler de Jésus. Et dimanche matin, je vais vous parler du paralysé. Il y a trois fois là-dedans, puis on va prendre un moment spécial pour parler de l'attitude de Jésus pendant ce message. La foule, là, pourquoi vous pensez qu'ils étaient là, chez André et Pierre? En fait, je vous ai fait un gros résumé tout à l'heure. L'enseignement est fire. J'ai entendu que l'enseignement était fire. Je vais aller voir. Ouh, j'ai comme un mal au dos. Là, j'aurais besoin que Jésus me touche. Fait que je vais aller voir. Je connais l'autre qui a besoin de délivrance parce que je le vois aller depuis des années. Là. Je sens qu'il y a un démon en lui. Faudrait qu'il trouve quelque chose en Jésus. Ou des gens qui connaissent ce qui s'est passé. Ou des gens qui étaient à la synagogue. Ou les amis de André et Pierre ou de la famille. Mais la foule, là, n'est pas venue pour être transformée. Elle est venue pour être divertie, distraite. Est-ce que vous savez pourquoi je le sais? Parce qu'à la fin, là,
Quand Jésus était sur la croix, ou quand on accusait Jésus de toutes sortes de choses, ils étaient où tous ces gens-là? Tous les gens que Jésus a nourris, tous les gens que Jésus a guéris, tous les gens à qui Jésus a parlé, ils étaient où tous ces gens-là? Des milliers de personnes à qui il a parlé, des milliers de personnes qu'il a nourries, ils étaient où ces gens-là? La foule. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Il n'y a pas juste croire qui est important. C'est de croire que Dieu récompense ceux qui se tournent vers lui. Or, tous ces gens, et il y a quelques exceptions évidemment, il y a peut-être des gens qui effectivement ont remis leur vie à Jésus, qui ont compris que c'était le Fils de Dieu et qui se sont confiés en lui. Mais c'est clair que ce n'est pas la majorité. Et le Seigneur ne fait pas... En fait, le conscient intellectuel et spirituel d'une foule, c'est un gros zéro. OK? Si tu dois faire une crise physique, épilepsie, cardiaque, peu importe, ne la fais pas au milieu d'une foule. Tu as plus de chances de mourir si tu fais ça au milieu d'une foule que si tu es devant une seule personne. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que chacun va dire, quelqu'un d'autre va le faire. Quelqu'un d'autre va y aller. Tout le temps. Et c'est le plus grand danger de tomber malade ou d'avoir une crise devant une foule. Parce qu'une foule, c'est bête. Moi, je suis un gars assez pacifique. Assez pacifique. Et je suis depuis longtemps, depuis mon secondaire, je me rappelle. Tu sais, j'aime ça voir des films d'action, mais moi, être dans l'action, ça ne me tente pas. Mais quand j'étais en récréation, puis il y avait une bataille qui commençait, tout le monde est comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Là, ils veulent voir qu'est-ce qui se passe. Ils s'approchent, regardent, oh, regarde, c'est un tel qui se bat. Puis c'est comme, t'es rendu où? Ton conscient intellectuel est rendu où? C'est comme s'il est passé par la fenêtre. Tu deviens niaiseux, tu deviens égaré. Et c'est comme si tu rajeunis, puis c'est comme... Avez-vous déjà vu une foule qui fait une manifestation? C'est deux ou trois personnes qui commencent, puis tout le reste de la foule suit. Le quotient intellectuel et spirituel d'une foule, c'est un gros zéro. Je veux t'inviter ce soir. Sors de la foule. Sors de la foule. La foule n'a pas ton intérêt, ni spirituel, ni émotionnel, ni physique. La foule s'en fiche de toi. Mais toi, tu la suis comme une brebis galeuse. Je vais t'inviter ce soir à sortir de la foule. Je vais vous donner un verset qui vous prouve ce que je suis en train de vous dire. Jean 2, versets 23 à 25. C'est un autre évangile, mais vous allez voir que c'est le même contexte. Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Plein de miracles. Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. Vous savez, c'est quoi le comportement d'une foule? Il y a un jour où Jésus est rentré glorieux à Jérusalem et tout le monde l'a acclamé. Tout le monde l'a acclamé comme roi. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est ce qu'il disait, en mettant des palmes, des feuilles de palmes devant lui. Une semaine plus tard, tout le monde criait quoi? Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. C'est-tu vraiment sur eux que tu vas te fier pour savoir qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie? Prends ta propre décision. Et je ne sais pas pourquoi la foule, chacun des membres de la foule était là ce soir-là, chez André et Pierre. L'enseignement, les guérisons, le chasser les... Je ne sais pas pourquoi ils étaient là. Mais ils n'étaient pas venus pour être transformés. Je te pose la question. Pourquoi tu es ici ce week-end? Parce qu'on t'a invité? Parce qu'on t'a dit que l'enseignement était fire? Parce qu'il y a un garçon ou une fille peut-être qui t'intéresse, puis tu es comme, Seigneur, je suis venu, puis je te fais confiance, Seigneur, tu sais quoi faire, Seigneur.
Mais là, dans mon... tu sais quoi faire, Seigneur. Est-ce que tu es venu juste pour rencontrer des amis? Est-ce que tu es venu parce qu'on t'a forcé à venir? Je ne sais pas pourquoi tu es là ce week-end. Mais je veux t'inviter ce soir. Sors de la foule et rencontre réellement Jésus. Rencontre personnellement Jésus. Prends ta propre décision et rencontre Jésus ce soir. Parce que tu peux croire en Dieu ou dire que tu crois en Dieu. Mais si tu ne crois pas qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui, ceux qui se repentent, ceux qui comprennent que leur décision ne fait pas de sens, mais celle de Dieu fait du sens. Que ça vaut la peine de le suivre, lui, et pas mes propres voies. Une des conséquences de la foule, et ils ne font pas exprès parce que leur conscience spirituelle est zéro, mais des fois, ils bloquent ceux qui veulent vraiment rencontrer Jésus. C'est vraiment dommage, hein? La foule qui est venue pour toutes sortes de raisons peuvent empêcher les autres de vouloir rencontrer Jésus. Merci Seigneur parce que les gens réussissent à se faire un chemin pareil. N'empêche pas la foule de rencontrer Dieu pendant ce week-end. N'empêche pas ceux qui sont autour de toi de t'empêcher de rencontrer Dieu pendant ce week-end. Parce que Dieu veut te rencontrer ce week-end. Comme je dis, Marc a une emphase particulièrement sur l'aspect miraculeux, la puissance de Jésus qui révèle sa divinité. Je veux te dire quelque chose ce soir. Si tu l'as déjà entendu, good. Si tu l'as jamais entendu, reçois-le. Les miracles ne sauvent pas. Je vais répéter. Les miracles ne sauvent pas. Mais être sauvé, c'est un miracle. Une catégorie de la foule, c'est ceux qui critiquent Jésus, les pharisiens, les spécialistes de la loi, qui viennent dire, comment il ose parler ainsi? Il blasphème. Il n'y en a qu'un seul qui peut pardonner les péchés, et c'est Dieu. À quoi je réponds? Excellente théologie, tu as raison. Voici comment Jésus répond à la question. Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire au paralysé, tes péchés te sont pardonnés, ou de lui dire, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Je vais faire une comparaison, ok? C'est comme si je dis, qu'est-ce qui est plus facile? Bencher 500 livres ou bencher une tonne? Mais pour un Dieu tout-puissant, là, le 500 livres puis une tonne, c'est-tu un vrai défi? Non, non, répondez-moi. Est-ce que c'est un vrai défi? Non. Qu'est-ce qui est plus facile? Pardonner ses péchés ou le guérir de sa maladie que toi, tu ne sais pas comment faire? Est-ce que c'est parler ou de guérir? Mais pour Jésus, il n'y a aucun des deux qui est un vrai défi. Mais pour te prouver à toi que je peux bencher 500 livres, je vais te bencher une tonne. Lève-toi, prends ton lit, rentre chez vous. Et le gars s'est levé, il a pris son lit, il est rentré chez eux. Pardonner tes péchés, là? Ce n'est pas un défi pour le Seigneur. Tu te laisses impressionner par toutes sortes de choses. Le vrai miracle, c'est quand tu tournes vers Jésus. Pas que tu es guéri d'une maladie, pas que tu es délivré d'un démon. C'est quand ta vie change à cause de lui. C'est ça
le vrai miracle. Mais nous, on est tellement impressionnés. On est tellement venus pour être divertis, pour avoir du fun. Et je ne veux pas que vous n'ayez pas de fun pendant ce week-end. Mais je ne veux pas que vous passiez à côté de quelque chose qui pourrait changer le reste de votre vie. Le Seigneur Jésus t'invite à sortir de la foule et à venir le rencontrer. Parce que la foule et les pharisiens, malheureusement, n'avaient aucune intention d'être transformés et ils n'ont pas cette foi. Est-ce que Jésus voit ta foi? Est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Ou est-ce que tu es venu pour t'amuser, juste t'amuser? Pour toutes sortes de raisons, tu es ici, comme la foule dans ce texte. Ou tu es venu chercher quelque chose de plus puissant? Tu es venu te détourner de toi-même pour te retourner vers Jésus. Est-ce que tu es venu pour juste chill ou pour être transformé? Et ne vous trompez pas, j'ai eu 15 ans et j'ai eu les années qui ont précédé aussi. Puis je suis allé à l'église à tous les dimanches parce que ma mère me disait d'aller à l'église à tous les dimanches. Puis bon, c'était une autre époque. À l'époque, il n'y avait pas de cellulaire, etc. Pas de jeux vidéo, etc. Nous, c'était bête, on jouait au tic-tac-toe sur des feuilles pendant la prêche, on jouait au SOS. Je ne sais pas si vous connaissez ces jeux-là sur papier. En tout cas, des jeux sur papier, là. On se trouvait toutes sortes de raisons de ne pas écouter ce qui se passait. Je n'ai pas oublié. Mais tu t'es déplacé jusqu'ici pour te rapprocher de Dieu. Maintenant, ce qui manque, c'est de croire qu'il existe et de croire que Dieu récompense ceux qui se tournent vers lui. Qu'il y a une bénédiction lorsque tu te tournes vers Jésus. Sors de la foule et prends ta décision. Prends la décision de t'approcher de Christ. Parce que lui, il t'attend les bras ouverts. Ne te laisse pas impressionner par la foule. Ne te laisse pas bloquer par la foule. Mais prends ta propre décision et sors de là. Je vous le relis juste la dernière partie du texte. Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Tout le monde a loué Dieu, c'est-à-dire honoré Dieu pour ce qu'il fait. Tout le monde a loué, mais peu ont été transformés. Moi aussi, j'ai grandi dans l'église. Puis j'ai chanté plein de chants parce que le beat était bon. Parce que le musicien était fort. Mais pas parce que mon cœur était transformé. Si tu cries de joie, est-ce que tu as une raison pour crier de joie? Puis réellement voir à quel point Dieu touche ta vie. S'il y a une chose qui caractérise les adolescents, j'espère que vous n'allez pas vous sentir insulté. De toute façon, c'est quelque chose que je pratique dans ma vie tous les jours. Et ce que j'aime le plus à travailler avec des adolescents, c'est qu'ils n'aiment pas quelqu'un qui n'est pas authentique. Quand quelqu'un vient et dit « yo, yo, yo » juste pour t'impressionner, tu es comme « man, qu'est-ce que tu fais? » Qu'est-ce que tu fais? Sois authentique.
et moi je le suis. En fait, je vous aime là. Même si je ne vous connais pas, je vous aime. Mais ce que vous pensez de moi n'a pas beaucoup d'importance. Ce que Dieu pense de moi a de l'importance. Fait que quand je viens comme moi je suis. Et j'ai vu tellement de vies qui se sont perdues que j'ai dit au Seigneur, si je peux encourager, je vais encourager. Si tu n'aimes pas mon style, je suis désolé. Dans 2 semaines, il y a un autre camp. Essaie de t'inscrire, tu reviendras pour l'autre prédicateur. Mais ce que je te dis ce soir, c'est sois authentique. Prends ta décision à toi, sors de la foule et rencontre Jésus. Parce qu'à la fin de toute chose, il n'y aura personne qui sera à côté de toi quand tu vas rencontrer le Seigneur. Ça va être one-on-one. Et tu ne pourras pas dire, un tel m'a dit de faire telle affaire. Ah ouais? Ce n'est pas à toi que j'ai donné la possibilité de décider? Soyez authentique ce week-end. Soyez pas fake. Prenez votre décision par rapport à Christ. En fait, je respecte plus quelqu'un qui dit « j'en ai rien à cirer » que quelqu'un qui fait semblant d'être dans la maison alors qu'il ne l'est pas. Soyez authentique. Sors de la foule, de ces gens qui n'ont pas de foi. Et prends ta décision personnelle par rapport à Jésus. Je vais terminer ainsi. Parce que je connais la puissance de la foule. Je demande à tout le monde de fermer les yeux. Parce que je connais la puissance de la foule, je demande à tout le monde de fermer les yeux. Parce que trop souvent, tu te fies sur la réaction des autres pour prendre ta propre décision. Et ça, c'est la foule. Je veux prier pour 2 catégories de personnes ce soir. Et je t'invite à être authentique pendant tout ce week-end. Je veux premièrement prier pour ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus, mais qui ont de la difficulté à rester hors de la foule et qui continuent à se laisser influencer par la foule. Et quand je parle de la foule, je parle de tous ceux qui prennent des décisions bizarres, qui ne glorifient pas Dieu. Je ne parle pas de ta communauté de chrétiens qui sont avec toi, comme par exemple l'Académie Mouvement Jeunesse. Je ne parle pas de eux. Je parle de ceux qui prennent des décisions bizarres à l'école, dans ton voisinage, tes amis les plus proches, mais qui ne prennent pas des décisions pour glorifier Dieu. Ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus, mais qui ont la difficulté à sortir de la foule, parce que c'est tough. Je te demandais de lever la main. Je vais prendre le temps de prier pour toi ce soir. Lève ta main haut, je vous vois. Levez vos mains haut. Je vous vois. Merci de votre sincérité. Gardez les yeux fermés, s'il vous plaît. Parce que nous sommes dans un monde d'influence. Et beaucoup de mauvaises influences. Merci pour ta... Garde ta main levée. Je vais prendre le temps de prier pour toi. L'important, ce n'est pas que moi je te vois. C'est que le Seigneur te regarde et il voit ta foi. Seigneur Jésus, tu vois ceux qui ont levé la main, qui ont déjà donné leur vie en toi, mais qui ont de la difficulté à sortir de la foule pour se distinguer en tant que disciple de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes la force. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes le courage. Je prie que tu leur donnes l'intégrité de te glorifier en toutes circonstances, peu importe ce que la foule fait, peu importe ce que la foule dit. Seigneur, tu vois leurs mains levées devant toi. Donne-leur la force à partir de maintenant de prendre la décision de te suivre et de ne pas suivre la foule. Qu'ils puissent grandir dans leur foi, dans leur confiance en toi, Seigneur, et dans le fait de se tourner constamment vers toi
à la place de s'écouter eux-mêmes. Remplis-les de ta présence, de ta puissance, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Vous pouvez baisser les mains. Gardez les yeux fermés. L'autre catégorie de personnes pour qui je vais prier ce soir, c'est ceux qui sont encore dans la foule et qui n'ont jamais pris leur propre décision par rapport à Jésus. Et tu vois que la foule t'emmène nulle part. Et tu vois que tes pensées t'amènent nulle part. Je vais t'inviter à lever la main si tu veux sortir de la foule et prendre ta décision par rapport à Christ. Je vois ta main. Levez vos mains, ceux qui veulent prendre une décision. Je vois vos mains. Merci de votre authenticité. Gardez les yeux fermés. Seigneur, merci pour ceux qui sont tannés de suivre la foule qui les mène nulle part, mais qui veulent placer leur vie en toi. Seigneur, viens délivrer. Viens comme cet homme, ce paralysé, pardonner leurs péchés et les accueillir dans ta présence. Seigneur, qu'ils puissent reconnaître que leur voie n'est pas la bonne voie, mais que la seule voie est en toi. Qu'ils puissent faire ce 180 degrés et placer toute leur confiance en toi ce soir. Merci pour les quelques mains qui se sont levées. Je prie, mon Dieu, que tu remplisses leur cœur de ta présence et qu'ils ne soient plus jamais les mêmes. Dans le puissant nom de Jésus, je prie et je demande ces choses. Amen. Vous pouvez baisser les mains, ceux qui ont levé la main. Vous pouvez tous ouvrir les yeux maintenant. Je vais demander à tous les responsables de groupe jeunesse de se lever, s'il vous plaît. Tous les responsables, levez-vous. OK, stop, stop. On garde le focus. On garde le focus. Particulièrement pour ceux qui ont levé la main la deuxième fois. Vous voyez les gens qui sont debout? Allez voir l'une de ces personnes ou venez me voir. Dépendamment de à quel point vous vous sentez à l'aise. Allez voir, s'il vous plaît. J'ai vu 4 ou 5 mains qui se sont levées. Allez voir l'une de ces personnes. Ne restez pas avec cette décision seule. Parce que Dieu nous met dans une communauté pour se soutenir l'un l'autre. Pour prier avec les uns de l'un l'autre. Prier les uns avec les autres. Allez voir l'une de ces personnes, ou si vous êtes à l'aise, venez me voir. Et on va prendre le temps de prier ensemble et de voir la suite. Parce que vous ne comprenez pas ce qui vient d'arriver. Mais ça se trouve, c'est la plus grande décision que vous avez prise dans votre vie qui vient d'arriver. Et on est vendredi soir. Merci pour les responsables, vous pouvez vous asseoir. Soyez authentiques pendant ce week-end. Si ça ne t'intéresse pas, je ne dis pas que c'est correct, mais au moins c'est authentique. Mais ce week-end, tu as l'occasion de t'approcher de Dieu. Tu as l'occasion de donner ta vie au Seigneur. Tu as l'occasion d'être transformé, de sortir de la foule pour dire, moi, je t'aime, Seigneur. Vraiment, Seigneur, je t'aime. Et ma vie est cachée en toi. Que le Seigneur vous bénisse.